Les recherches sont toujours en cours. Campagne agricole 2018 à Boké, les producteurs bénéficient des équipements agricoles. C'est un programme prioritaire pour moderniser les pratiques agricoles afin d'augmenter les rendements. Sport karaté, la Guinée est sacrée championne de la compétition de karaté Tika Zone 2 en Sierra Leone. Elle a raflé 22 médailles, dont 3 en bronze. Du coup, elle obtient son ticket pour le championnat d'Afrique à Kigali. Une fois encore, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur ce drame survenu hier nuit à Corentin, dans la commune de Kaloum. Il s'agit d'un immeuble de 7 étages qui s'est écroulé aux environs de 21h. Les recherches se poursuivent dans les décombres et le bilan s'alourdit. Aux dernières nouvelles, on compte 4 morts, quelques blessés et des portés disparus. Gibril Camara apporte des précisions. En chantier depuis 2016, cet immeuble R+7 situé dans le quartier Corentin s'est écroulé dans la nuit de ce samedi. Une construction qui a connu différents ingénieurs. La fondation prévoyait un E+4, cette norme n'a pas été respectée au fil du temps. L'immeuble est passé à 7 étages. J'ai alerté mes services techniques pour mettre deux poclins en route. Parce qu'on nous a dit que probablement il y a des cordes en bas ou des choses. En tout cas, il doit y avoir des victimes. Le poclin fait un travail sélectif. Il va tout doucement, tout doucement, contrairement aux bulles qui peuvent agresser. Si éventuellement encore il y en a, il peut agresser. Donc pour le respect du corps, de sauvegarder la vie des blessés, on a préféré prendre le poclin. Mon chef secteur m'a appelé que l'immeuble de Ibrahim Chirip s'est effondré. Effectivement, je me suis rendu sur les lieux ici. J'ai effectivement trouvé l'immeuble à terre. Alors depuis, on a informé les archives, puisqu'il y avait un bâtiment là-dedans, à l'intérieur de la concession, et les gens habitaient là-dedans. Ce sont ces gens-là qu'on n'avait pas retrouvés. Tout le monde se demandait où ils sont partis. 6 personnes seraient portées disparues. Depuis 22 heures, le génie militaire s'active à extraire les victimes. C'est à 14 heures ce dimanche que le premier corps a été retrouvé. D'abord, avant la détection de ce corps, par rapport à ce qui s'est passé, puisque nous avons eu des informations selon lesquelles ces 4 corps qui sont déjà engloutis entre ces gravats. Donc si on a eu la chance de sortir le premier corps, vous comprendrez avec nous que c'est un sentiment de consternation qui nous anime en ce moment. Et vous voyez comment la population est là, tout le monde est en train de pleurer. La chose la plus difficile pour nous, c'est cette situation de désolation, de tristesse, de perte de vie humaine. Hier nuit, nous étions là jusqu'à 3h du matin, jusqu'à 4h du matin. On a travaillé, on avait encore un peu d'espoir, même si à un moment donné, on nous faisait comprendre qu'il y a des personnes qui étaient encore sous le décombre, ou alors qui étaient trouvées au niveau du bâtiment. Mais on avait encore un peu d'espoir. À l'annonce de la nouvelle, le propriétaire de l'immeuble résidant au Canada, en séjour depuis quelques mois en Guinée, aurait pris la fuite. Les enquêtes sont ouvertes pour situer les responsabilités. Les travaux de dégagement se poursuivent afin de retrouver le reste des victimes ou d'éventuels survivants. Vous comprendrez que l'information a évolué après le tournage de ce reportage. Dans l'actualité également, interruption de la desserte en eau potable dans le robinet de Conakry. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour ramener la situation à la normale. 4 jours après ce désagrément, le premier ministre chef de gouvernement s'est rendu sur le site au PK36. Dr Ibrahim Kassori Fofana a déploré la situation avant de rassurer les populations de la réparation rapide de la panne. Compte rendu, Nabi Kamara. Nous sommes entre Kuntia et le PK36 où la conduite principale d'eau de la ville de Conakry est tombée en panne il y a maintenant 4 jours. Ce matin, le premier ministre chef du gouvernement était sur les lieux pour apprécier l'ampleur de la panne et l'allure des travaux de remise en état de ce tuyau. C'est un drame parce que cette rupture affecte considérablement l'approvisionnement de l'eau à Conakry, pour la population de Conakry. Et depuis l'annonce, le gouvernement est à pied d'œuvre. Le président de la République a demandé personnellement de mettre tout en œuvre, que les travaux soient faits très rapidement. Je suis heureux de vous dire que la Société des Eaux, plus le ministère,
Ils ont vraiment travaillé à remettre les choses en place. Nous allons prendre d'abord les dispositions du point de vue administratif pour que les autorisations de construction soient beaucoup plus serrées, de manière à éviter que les gens viennent construire sur le cours des lits. Et c'est très dangereux pour la population. On met la discipline dans les constructions, on met la discipline dans l'exploitation des carrières, on met dans la discipline dans l'occupation des terrains, on met dans la discipline dans l'entretien aussi. Ici, la Société des eaux de Guinée et ses partenaires techniques chinois de la société CRCC se battent bec et ongles pour remettre en service ces tuyaux en fonte ductile 2100. Dans moins d'une semaine, la fourniture d'eau potable dans les ménages devrait être effective. Le Premier ministre, il est venu nous galvaniser, et vous et nous, parce que le premier jour, on était là tous ensemble. On avait le même problème. Le souci aujourd'hui est partagé. Mais il nous a encouragés, il nous a donné encore plus d'énergie, et au ministère et à la SEG. Ici, c'est difficile, parce que maintenant, c'est plus. Même hier, dans la journée, tout est plus. Ces travaux, c'est beaucoup. C'est difficile, plus la pluie. C'est plus difficile. Ok, maintenant, moi, tourner la rebus, population. La semaine prochaine, le lot, il va passer. Hein, tourner la population. Dans les plus brefs délais, ce chantier-là va finir pour que la desserte soit rétablie et puis que l'approvisionnement en eau des différents ménages se fasse dans de très bonnes conditions. Cette panne sur la conduite d'eau de la SEG est intervenu dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Deuxième grand titre de ce journal, campagne agricole 2018, le gouvernement soutient les paysans de Boké. Une centaine de moissonneuses et une cinquantaine de tracteurs vont être livrés aux producteurs de Kakandé. Ce programme prioritaire d'appui vise à moderniser les pratiques agricoles pour augmenter les rendements en vue de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Fode Camara nous fait le point. À Dapilon, sur les rives du rio Nunaise, l'animation du port minier de la SMB monte d'un cran. Les visiteurs du ministère de l'Agriculture et autres invités de la ruralité participent à la réception provisoire de 50 tracteurs pour la préparation du sol. Des équipements de dernière génération qui vont contribuer à alléger les travaux champêtres dans les grands bassins de production du pays. La gestion va être une gestion saine. On tire les leçons de ce qui s'est passé au niveau des CPA, donc on améliore les conditions de gestion. Et l'essentiel pour nous, c'est qu'on ne retrouve plus la roue, on ne retrouve plus les bâtons pour le battage, on ne retrouve plus les aires de séchage, que tout soit fait mécaniquement pour augmenter la production et aussi pour aller vite. Aujourd'hui, on est très content. La mission est venue accompagner la ministre de l'Agriculture de voir les réalités du terrain. Il nous a fait déplacer de Conakry à Boké pour venir voir ce que le professeur est en train de faire. Principale innovation, ces outillages sont équipés d'un dispositif de protection des conducteurs. Des cabines sont prévues contre les intempéries. En plus, un attelage composé de charrues, de pulvériseurs et de sémoirs accompagne chaque tracteur. Par exemple, pour servir à augmenter la productivité agricole, ça diminue la taille d'effet de la main d'œuvre et tout ça. Donc, ça, c'est voir par exemple le maïs que vous avez ici qui a 5 livres. Donc, en un seul passage, il peut mettre 5 livres. Mais lui, par rapport à la main d'œuvre, ça va faire moins de temps pour travailler. Donc, ça réduit le temps de travail pour les producteurs. Dotés de GPS, ces tracteurs seront exploités par le biais d'une plateforme de centralisation exhaustive des paysans. Une démarche qui vise à aider tous les producteurs à bénéficier de la mécanisation agricole. Tout le monde sait ce que le professeur Alpha Condé pense de l'agriculture. L'effort consenti déjà et tout l'effort encore qu'il est en train de fournir pour que le paysan guinéen soit le plus heureux. Ces machines-là vont servir à augmenter la production, la productivité. Ce premier lot de tracteurs vient s'ajouter au parc de 120 moissonneuses batteuses. Un programme prioritaire d'appui au secteur agricole pour une agriculture plus rémunératrice pour les producteurs. Une dynamique de modernisation, d'aménagement et de désenclavement largement expliquée
aux jeunes des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel venus de la Haute-Guinée. A préciser que ces équipements sont destinés à tous les producteurs guinéens. En déplacement, le ministre Cheikh Sako s'est rendu dans les juridictions de Koya et Forcaria. Il s'agit pour le garde des Sceaux de faire l'état des lieux des prisons et justice de paix de ces localités. À la fin de la mission, de grandes décisions ont été annoncées pour lutter contre les maux qui freinent l'administration judiciaire et pénitentiaire du pays. Kierno Younoustaba. C'est une tournée qui conduit le ministre de la Justice dans les juridictions de Koya et Forcaria. La mission porte sur le fonctionnement de l'administration judiciaire et pénitentiaire. À la prison civile de Forcaria, des difficultés liées au manque de moyens logistiques pour le transfert des détenus et la situation administrative de certains agents ont été constatées. À la justice de paix, l'insuffisance de personnel est remontée au garde des Sceaux. Les différentes difficultés, pratiquement, c'est le manque de personnel. Vous avez constaté ici, on a 2 jours d'audience par semaine, on n'a qu'une seule greffier en chef. Et donc, on n'a pas de greffier. Et en principe, le magistrat, quand il travaille, il faut forcément qu'il y ait un greffier à ses côtés. À Koya, le ministre de la Justice est félicité de la bonne marche des activités dans les services judiciaires et pénitentiaires. Néanmoins, les autorités judiciaires rappellent la nécessité de sécuriser les prisons dans le but de lutter contre les évasions. Il y avait un problème à l'intérieur des prisons parce que nous avons constaté, malgré les réformes qui sont mises en place par M. le ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, il y a à l'intérieur de la prison des gardes et du personnel pénitentiaire qui participaient effectivement à l'évasion ou bien aux tentatives d'évasion de certains détenus. Alors le ministre a élevé le ton par rapport à ça et je pense que nous sommes en train d'endiguer ce problème qui était en train de miner les maisons d'arrêt de l'intérieur. Donc contrairement à Koya, à Forcaria, effectivement il y a une urgence parce que la prison elle est dans un état quand même lamentable. Hein? Heureusement, il n'y a pas beaucoup de détenus et de condamnés, contrairement à Koya. Mais là, on va aussi s'y pencher pour que trouvent des solutions idoines. J'ai dit aux gardes pénitentiaires qu'on pense à eux. La preuve, ils ont quand même un statut. Et puis l'alimentation, la question est réglée. On vient de commencer les formations communes. Donc vous voyez qu'on avance vers l'excellence et c'est ce qui est prévu dans le programme de réforme. On va continuer comme ça. Cette mission de supervision du garde des Sceaux dans l'arène judiciaire intervient après celle effectuée en début de mois à Kindia. Il s'agit pour Cheikh Sako de faire un diagnostic clair du fonctionnement de la justice dans l'arrière-pays. Pendant ce temps, une formation sur la technique d'expertise immobilière se tient à Conakry. Elle est organisée par le Mouvement national des jeunes de Guinée. Ces jeunes s'inspirent du programme politique de l'habitat social Grand Conakry Vision 2040, lancé par le président de la République. Mikini Moussa Camara, Mohamed Seyer Souma. Les initiateurs de cette formation vulgarisent l'étude du Grand Conakry Vision 2040, un document synthèse qui présente les enjeux et les questions clés de la métropolisation de la capitale. Un scénario d'aménagement crédible et durable basé sur un schéma qui décline les actions prioritaires à mettre en œuvre à court, moyen et long terme. Souvent nous sommes confrontés à des difficultés. Premièrement, l'occupation anarchique des lieux publics par la population. Deuxièmement, la non-maîtrise du code foncier et aider à vulgariser ce code, mais également avoir une connaissance de base sur ce qu'on appelle immobilier. Nous avons vu que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est en train de faire une politique qui s'appelle Conakry Vision 2040, qui consiste ici à faire une politique, une vraie politique sur l'habitation sociale en Guinée. Donc nous sommes ravis de cette initiative du MONAGEC. Les dysfonctionnements constatés ces dernières années, à savoir inondations, pollution, conflits domaniaux ou construction anarchique, croisé avec des perspectives de croissance démographique inquiètes. Pour y remédier, le Grand Conakry Vision 2040 privilégie un plan d'action d'équilibre construit sur plusieurs stratégies. C'est un programme de formation aux techniques immobilières. Comme vous l'avez dit tantôt, il y a 5 branches qui soutiennent une côté de l'habitat. Et jusqu'ici en Guinée, il nous manquait des formations des professeurs dans la 5e branche qui est le domaine de la promotion immobilière. Et vous n'êtes sans ignorer que le professeur Alpha Condé, après 60 ans d'indépendance, vient enfin à mettre en place un programme d'aménagement de la ville de Conakry, appelé Conakry Vision 2040, qui est nécessaire qu'il y ait des professionnels qui puissent soutenir
et mieux articuler ce programme et professionnellement faire la mise en route de cette politique de l'habitat. Cette formation a l'avantage d'informer les participants que le Grand Conakry 2040 du professeur Alpha Condé est aussi une nouvelle vision de la gouvernance. Une vision de gouvernance qui met l'accent sur la modernisation de l'économie et l'équilibre du champ social. Célébration de Mandela Day à Conakry sous le thème « Leçons de leadership de Nelson Mandela pour une Guinée unie ». L'événement est marqué par une conférence débat animée par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il était question d'expliquer à la jeunesse guinéenne le modèle de leadership qu'incarnait l'icône sud-africaine. C'est une initiative de l'association Mandela Washington Fellowship, Yali en abrégé. Reportage Abdul Karim Kamara. Le Mandela Day n'est pas qu'une simple célébration dans le monde. Le nom de cette icône rappelle toujours le combat pour la liberté, la légalité et la justice sociale. Ces jeunes leaders guinéens réunis au sein de Mandela Washington Fellowship magnifient le leadership de Madiba. Invité pour l'occasion, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté échange avec la jeunesse. Il pense que le génie de cet homme se résume en une générosité humaine. La capacité qu'on a à maîtriser son cœur pour qu'il soit disponible pour tout le monde, au-delà du combat qu'on a pour les valeurs. S'il y a quelque chose à tirer de sa vie, c'est justement cette incarnation des idéaux qui transcendent les différences ethniques, religieuses, culturelles et politiques et qui mettent les êtres humains sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire des gens qui puissent bénéficier, des êtres qui puissent bénéficier de leur dignité. Khalifa Gassama Diaby invite la jeunesse guinéenne à se servir des idéaux de Mandela. Il estime que les jeunes doivent éviter l'aliénation culturelle, sociale, économique et mentale. Ces valeurs, elles sont universelles, mais pour les incarner, il faut être préparé à affronter les obstacles pour tout le monde, tous les êtres humains, tous les Guinéens, quelles que soient leurs différences. Alors, l'invite à la jeunesse, c'est cette invite morale, parce que nous incarnons les vraies valeurs qui pourront nous survivre demain, puisque la Guinée est plus grande que chacun d'entre nous ici. Et quand on dit l'humain, il faut penser à la dignité, et quand vous dites la dignité, il faut penser à la justice, à la liberté, au principe d'égalité de tous. Et pour le conférencier, c'est cet héritage que Mandela a laissé à l'humanité sur la route infinie de l'histoire. Héritage qui se nomme « L'humain est plus que tout ». Et on vote au Mali voisin ce dimanche. 8 millions de Maliens sont convoqués aux urnes pour élire un président de la République parmi les 24 candidats en lice. Ici en Guinée, les ressortissants maliens se sont massivement mobilisés ce matin pour accomplir leur devoir civique dans leur représentation diplomatique. Rappelez que la sécurité est l'enjeu majeur de ce scrutin. Au Mali, 25 000 membres des forces de sécurité sont mobilisés dans les 23 000 bureaux de vote que compte le pays. Une matinée non pluvieuse et clémente pour les électeurs maliens vivant à Conakry. Au compte de l'élection présidentielle malienne de ce dimanche, 4396 électeurs sont recensés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. À l'ambassade du Mali ici à Conakry, ils sont 2188 électeurs répartis entre 5 bureaux de vote. Le Malien, par excellence, est paisible. Il est paisible et je crois qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont passé pour la paix et pour ne pas en rajouter à la rébellion que nous connaissons aujourd'hui. Donc je pense que les Maliens seront assez réfléchis parce que c'est le Mali qui nous unit tous. Comme ici à l'ambassade du Mali, les opérations de vote se déroulent aussi dans certaines villes de l'intérieur du pays. En Guinée, 12 bureaux de vote sont installés, 3 en Sierra Leone et 2 au Libéria. Des mesures sont prises pour éviter toute irrégularité. Nous y avions demandé aux représentants des partis politiques ou des candidats, aux membres du bureau de vote, de respecter scrupuleusement la loi électorale qui dit exactement ceci. Chaque électeur doit être muni de sa carte d'électeur, être sur la liste d'émargement
rentrer dans l'isolat pour accomplir son droit. Et pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Tous les matériels, les langres indélébiles, langres aussi dures, pour ceux qui ne savent pas signer, les bics, le guide de l'agent électoral, tout est correct ici. Des citoyens ayant déjà voté mesurent l'importance de cette journée historique dans la vie du Mali. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir à l'ambassade du Mali pour trouver un seul homme qui pourrait gérer le Mali dans ces jours à venir. C'est vrai, quand vous voyez l'affluence, vous constaterez que ça se passe dans la règle de l'art. Chacun vient un à un, il vote et rentre chez lui. C'est le plus important. Dans les différents bureaux de vote, des agents de sécurité sont déployés. Pour cette présidentielle malienne, 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 24 candidats en lice. On en vient maintenant à cette fin de mission pour le projet Avancement des partenaires et des communautés. Cela fait 3 ans qu'il intervient aux côtés du gouvernement guinéen. Le projet a permis la construction et la réhabilitation d'une 20aine d'infrastructures sanitaires dans le pays. Ça, Amara Tolno signe ce reportage. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital Ignace Digne. Il est l'un des blocs rénovés et équipés par le projet Avancement des partenaires et des communautés. Un programme de prévention de la transmission de la maladie à virus Ebola et du renforcement des structures sanitaires de prise en charge des guéris de cette épidémie. Le service d'urologie, le service d'ophtalmologie et le service d'ORL ont été rénovés depuis les toilettes, depuis les installations électriques, depuis la conduite d'eau. Tout a été passé au peigne fin. Et nous avons reçu du matériel, notamment la lampe à fente, qui est très importante pour les ophtalmologistes, et des médicaments. Un grand lot de médicaments pour le suivi des patients guéris d'Ebola. Donc c'est un grand souffle de soulagement pour notre structure. Lancé il y a de cela 3 ans, le projet Avancement des partenaires et des communautés a construit et réhabilité plus d'une 20aine d'infrastructures sanitaires à travers le pays. Une intervention qui renforce la politique de surveillance des maladies à potentiel épidémique. On a trouvé justement que chez certaines personnes, en particulier les hommes, que dans le sperme, le virus pouvait encore vivre un certain temps. Alors, initialement, on a dit quelques semaines ou quelques mois. Mais par après, on a constaté que ça pouvait être beaucoup plus long que ça. Et la question qui se pose aux spécialistes, aux médecins, est-ce que ça peut être le point de départ d'une nouvelle épidémie, c'est-à-dire d'une nouvelle contamination? Alors pour cela, il faut surveiller. Mais en surveillant, il faut prendre des mesures. Et ce sont des mesures surtout d'hygiène qui peuvent amener à se protéger et éventuellement à stopper au cas où cela se présentait une propagation. Après 3 années d'intervention aux côtés du gouvernement guinéen, le projet arrive à la fin de sa mission. Responsables du projet et autorités se disent satisfaits des résultats obtenus. Les dirigeants de ce projet reçoivent des mains des leaders du réseau national des survivants d'Ebola des cadeaux symboliques. De nouveaux candidats sur le marché de l'emploi, il s'agit des diplômés de la 9e promotion licence de l'université Mercure Internationale. Une centaine de diplômés qui se disent prêts à matérialiser leurs connaissances dans la vie socio-professionnelle. Bakary Bamba Kondé, Mamadou Bayansane. Ils sont au total 159 étudiants, dont 92 filles de la 9e promotion de l'université Mercure Internationale à recevoir leur diplôme de fin d'études supérieures. Après 3 années pour certains et 4 pour d'autres, ces universitaires sortent avec des connaissances en logistique, transport, droit, maths informatiques appliquées à la gestion MIAGE, journalisme et communication. C'est avec une grande satisfaction qu'on leur remet aujourd'hui leur diplôme. Nous avons des opportunités avec les entreprises et cela permet aujourd'hui à nos étudiants à la sortie d'avoir une certaine compétence. Pour les récipiendaires, en plus des connaissances acquises durant leur cycle universitaire, le courage et l'abnégation seront leurs nouvelles armes pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Cette 9e promotion est baptisée Paul Jansen.
Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur les exhorte à transcender les difficultés de la vie socio-professionnelle afin de réussir. On a reçu le maximum possible. Et quitte aux étudiants maintenant d'assimiler aux formations initiales des pratiques. Parce que la formation, comme on le dit souvent, ça ne s'arrête pas sur les bancs de l'école. Les étudiants, ils font le stage. Et c'est au cours du stage, normalement, qu'ils peuvent, de par leur performance, leurs compétences, signer, par exemple, un contrat, en tout cas, créer les conditions de leur recrutement. Depuis sa création, il y a de cela 20 ans, 4786 étudiants diplômés sont sortis de l'université Mercure International. Selon la fondatrice, une nouvelle option est en vue. Il s'agira de l'électricité domestique et industrielle. Éducation encore, la diaspora guinéenne basée aux États-Unis vole au secours des élèves de Koya. Réunis au sein de l'ONG Strides of Guinea, ces jeunes offrent des kits scolaires, sanitaires et des équipements d'hygiène à l'école élémentaire de Yelemengia dans la préfecture de Koya. Compte rendu, Momel Lamine Camara. Yelemengia, une localité située à une trentaine de kilomètres de la commune urbaine de Koya. Ici, malgré les vacances, les élèves, filles et garçons en tenue scolaire sont mobilisés pour accueillir les membres de l'ONG Strides of Guinea. Cette organisation non gouvernementale des jeunes guinéens basée aux États-Unis d'Amérique contribue activement à l'épanouissement de la couche juvénile en Guinée. Cette année, l'ONG offre des kits scolaires et sanitaires aux élèves et des équipements d'hygiène à la direction de cette école élémentaire. Nous venons en aide à toute personne qui a besoin d'aide, reliée à l'environnement, à la santé et à l'éducation. Malgré la distance, c'est que ces élèves ont besoin d'aide. Parmi ces élèves, les admis à l'examen d'entrée en 7e année et les premiers de chaque classe bénéficient des cadeaux symboliques. Un geste qui réconforte les responsables de cette école primaire de Yelemengia. Ce que je recommande à ces élèves qui ont bénéficié de ces dons, c'est de redoubler d'efforts afin que les années prochaines, ce que nous avons vu aujourd'hui, que ça soit, n'est-ce pas, un moteur pour eux qui va leur permettre, n'est-ce pas, de travailler davantage. 3 ans après le lancement de leurs activités, les membres de l'ONG Strides of Guinea entendent élargir très prochainement le champ d'action de la structure à d'autres préfectures du pays. Et ce public reportage, la Direction générale de Guinée Industrie récompense ses fidèles clients de l'année 2018. Les 3 premiers ont reçu des tickets pour le pèlerinage à la Mecque et les 10 autres ont reçu chacun une enveloppe symbolique. Younes Atawel Camara. Ils sont au total 13 clients à être récompensés cette année par la Direction générale de Guinée Industrie. Il s'agit de ceux qui se sont illustrés dans la commercialisation du ciment et des tôles GI. Les 3 premiers vont prendre part au pèlerinage 2018 à la Mecque et les 10 autres bénéficient chacun d'un montant allant de 5 à 20 millions de francs guinéens. Cette année, nous avons décidé aussi d'envoyer les 3 plus gros clients que nous avons à la Mecque, de donner la chance à ceux qui fassent leur obligation religieuse. Et nous avons aussi choisi les 10 clients qui suivent. Chacun a eu une enveloppe allant de 20 millions pour 3 clients, 10 millions chacun pour les 3 clients qui suivent. Et 4 autres clients qui ont eu aussi la chance d'avoir 5 millions pour récompenser le mérite, pour récompenser la fidélité et pour récompenser le fait que sans ces clients-là, GI n'existe pas. C'est la 2e année consécutive que la Direction générale de Guinée Industrie récompense ses meilleurs clients. Les bénéficiaires de cette année se réjouissent de la qualité de ce prix. Je remercie le Tout-Puissant Allah d'être parmi les distributeurs de GI Ciment. Je remercie encore tous les travailleurs de GI Ciment. Et on est fiers de vous. On restera toujours avec GI Ciment. Nous sommes des clients depuis longtemps, depuis la fondation CETIDI, Teasing. Et nous sommes contents pour leur organisation et leur personnel. Et on a remercié pour tout le monde et leur action. Comme ses récipiendaires, la Direction générale de Guinée Industrie promet encore de récompenser plusieurs autres clients l'année prochaine.
Actualité sportive à présent, je vous le disais en titre, karaté, la Guinée est sacrée championne de la compétition de karaté Tika Zone 2 organisée en Sierra Leone. Elle a raflé 22 médailles, dont 3 en bronze. Avec ce sacre, le pays est qualifié pour le championnat d'Afrique de karaté Kigali 2018. Suivez la cérémonie de présentation du trophée avec Abdelaziz Baldi. Considéré depuis des années comme une discipline à part entière, le karaté guinéen attire de plus en plus les jeunes. Avec sa brillante participation à la compétition de karaté Tika Zone 2 en Sierra Leone, la Guinée est sacrée championne en raflant 22 médailles, dont 19 en or et 3 en bronze. D'où cet enthousiasme partagé avec le ministère de tutelle. La Guinée a été championne de la Zone 2. Et donc c'est ce compte-rendu qu'on était en train de faire. Donc la seule doléance que nous demandons, c'est au département de bien vouloir diligenter le dossier pour permettre à notre équipe de ne pas perdre ce talent. Ne pas perdre ce talent, premièrement, pour le développement, la vulgarisation de cette discipline sur le plan national. Après ce sacre, les responsables de cette discipline ont les yeux rivés sur le championnat d'Afrique qui se tiendra à Kigali au mois d'août prochain. Avec la même ambition, brandir le titre du champion d'Afrique aux grandes oreilles. Kigali, bien sûr, c'est de 28 août au 2 septembre. De côté de Kigali, nous avons déjà déposé la requête au niveau du département. On est aujourd'hui première équipe de la zone 2, nous voulons être première équipe de toute l'Afrique. Avec un palmarès de plus de 17 championnats d'Afrique et de 4 participations à la Coupe du Monde, le karaté est le sport le plus titré en Guinée. Mesdames et messieurs, fini ce journal. Un plaisir fut pour moi de vous servir durant ce week-end. À vous également, un grand merci pour votre obligeante attention au programme de la télévision. Passez une excellente soirée et bon début de semaine à tous. À bientôt.